Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vlogs. C'est parti! Donc, on repart pour les vlogs tous les jours jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Donc, j'espère que pour celles qui étaient en vacances dans la région parisienne, vous avez passé de bonnes vacances. Moi, elles ont été un petit peu fatigantes avec les travaux dans la chambre. Vous avez vu le vlog hier de la chambre, la nouvelle chambre d'Enzo. Pour info, Enzo a découvert sa chambre donc dimanche quand nous sommes rentrés d'aller le chercher chez ses grands-parents. Et il est ravi, ravi de sa chambre. Donc, très heureux, c'est un petit garçon qui est très heureux de sa chambre. Donc, aujourd'hui, je vous montrerai ce que j'ai utilisé en barre d'infos pour le make-up, mais je voulais pas vous parler de ce que je porte sur les lèvres. Donc, ce sont des rouges à lèvres de la marque All Tiger. Donc, je les ai reçus pendant mes vacances et donc j'ai pu les tester, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc, ce sont des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci au niveau du packaging. Je trouve que le packaging est vraiment très, très joli. Je trouve ça très, très frais. Ce sont des rouges à lèvres qui sont, si vous cherchez des rouges à lèvres avec une bonne compo, des produits naturels, il y a à l'intérieur 90% d'ingrédients naturels et 40% de produits issus de l'agriculture bio. Je trouve ça vraiment bien si vous cherchez ce type de rouge à lèvres. Et j'avais un peu peur en fait que sur ce type de rouge à lèvres, il n'y ait pas de tenue, il n'y ait pas de couleur, etc. Et ben, c'est tout le contraire, franchement. Au niveau du packaging, c'est un grand grand format comme vous pouvez le voir, je crois que c'est des 8 ml. Au niveau de la brosse, c'est une brosse un classique de rouge à lèvres. Ça s'applique très bien. C'est des rouges à lèvres qui se matifient un petit peu au fur et à mesure de la journée. Si vous voulez que ce soit un peu plus mat, il faut les mordre un petit peu dans un petit mouchoir. C'est vraiment très agréable, ils ont une très bonne tenue. J'ai pas fait de retouche de la journée, notamment pour le rouge. Donc celui-ci, c'est le 888, je vais vous les swatcher. Vous me les avez déjà vu porter sur Instagram. Je vous ai les en story permanente dans les codes promo, je crois. Donc celui-ci, c'est le 888, c'est celui-ci que je portais sur Instagram. C'est un très joli rouge, avec des petits sous-tons bleutés. Et celui que je porte aujourd'hui, qui est magnifique également, c'est le 784, donc un petit peu plus corail, on va dire, voilà, un petit peu corail. Donc il y a un code promo sur cette marque là qui est bon jusqu'au 15 mars, donc je vous le remets juste ici. Donc voilà, si vous cherchez des rouges à lèvres avec une bonne compo, des rouges à lèvres mat, etc., je trouve que ça peut être très sympa. Donc ils ont aussi un Instagram, All Tiger Organics. Et voilà, je trouve vraiment le concept très sympa et les rouges à lèvres sont d'une très bonne qualité et ils ont une bonne tenue. Je voulais également vous parler de la Birchbox. Alors cette fois-ci, je l'ai reçue dans une... C'est la Birchbox de mois de mars. Donc je l'ai reçue dans une enveloppe comme ceci, bulle, dans la boîte aux lettres. Donc un peu étonnée quand je l'ai reçue, je dis tiens, qu'est-ce que c'est? Eh ben non, c'est la Birchbox. Donc ce mois-ci, elle est en partenariat avec le comptoir des cotonniers. Donc on a deux... trousses, on a une transparente et une un petit peu abricot, donc deux trousses comme ceci, comptoir du cotonnier. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite on a également une petite carte cadeau de 10 euros à dépenser sur la collection actuelle des comptoirs du cotonnier. Donc je vais vous prendre au fur et à mesure le petit livret et vous décrire ce qu'il y a dans la box. Donc je rappelle, hein, c'est une box qui coûte 13 euros par mois, je crois 13 euros, oui 13 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on a un shampoing de la marque Morning Streak. Je vous mettrai également le prix de la box à la fin, le prix total de la box, si ça vaut le coup ou pas. Donc c'est un parfum apparemment à tomber, il marque. Oui, ça sent très bon. Où il y a des huiles de lavande, de romarin, des protéines de maïs, du blé et du soja. Donc c'est exclusivement disponible chez Birchbox. Donc à tester pour ce petit shampoing. Ensuite, on a un produit full size de la marque Garancia. Donc, les produits de la marque Garancia sont très bien. Celui-ci, je ne l'aime pas particulièrement. Donc, je pense que je vous le mettrai et je vous le garderai pour un prochain concours. Donc, c'est du produit made in France. C'est le Tomato Power. Elle donne bonne mine, lisse, hydrate et hydrate la peau en profondeur. Donc, matin ou soir. Donc, c'est un format vente. On en a déjà pour 30,52 €. Donc, je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la box combien le coût. Là, déjà, elle est amortie avec ce produit-là, hein, sans problème. Ensuite, on a un produit donc, de la marque Aini, je ne sais pas trop comment ça se prononce, A-I-N-Y. C'est un masque visage, c'est un produit 100% naturel et d'origine vegan, donc ça c'est top. C'est un masque donc à base d'argile, je pense. Voilà, c'est de l'argile de la forêt amazonienne, donc ça j'ai hâte de le tester.
On le laisse poser entre 10 à 20 minutes et on le rince à l'eau claire. Et ça a des propriétés pour avoir un teint lumineux, une peau saine, douce et éclatante. Donc, ouais, et ça, j'ai hâte de le tester. J'adore les masques à base d'argile. Donc, ça, c'est top. Alors, ensuite, un peu un bémol parce que c'est des produits que j'ai déjà énormément. Donc, c'est pareil, je pense que ça sera dans une prochaine box. Donc, c'est un vernis de la marque Lollipop. Donc c'est la couleur donc c'est un format vente, là on a déjà pour 6,80€. Alors c'est la teinte, il n'y a pas écrit la teinte, si, Cocorico. Donc voilà, il était en dispo en deux teintes, soit un nude, soit un rouge. Il irait parfaitement avec la couleur que je porte sur les lèvres. Donc voilà, si vous aimez les vernis, donc ça peut être très sympa si vous n'avez pas ce type de couleur. Et ça, je suis super contente de l'avoir eu. Donc vraiment encore une box très très sympa ce mois-ci. Vraiment pour 13€, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est de la marque La Roche-Posay. Donc c'est une huile lavante et j'aime beaucoup beaucoup les huiles lavantes. Donc c'est à base de... est-ce que je vais y aller? Donc c'est à base de quoi? D'huile de quoi? Elle lave mais protège surtout la peau des effets desséchants du calcaire. Et à savoir que nous sur la commune où on est, l'eau est très calcaire. Donc ça c'est top, relipidante. Donc pour les nourrissons, les enfants, les adultes, il y a 100 ml, c'est fabriqué en France. Donc ça, je suis contente de l'avoir. Et c'est un format miniature. Donc déjà, c'est une très très belle miniature. Hein, vous pouvez voir, c'est un 100 ml. Donc ça, je suis super contente de l'avoir eu. Ça, c'est top, top, top. Alors ensuite, on a, comme d'habitude, des petites choses dans le petit dépliant, etc. Donc vraiment encore ravie de cette box ce mois-ci. Franchement pour 13€, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment, pour 13€, vous avez même 10€ sur, donc ça fait vraiment une sacrée économie. Donc encore ravi une fois ce mois-ci de cette box. Je vous mets le lien en barre d'infos pour si vous voulez vous abonner ou recevoir cette box là. J'ai vu que des copines avaient reçu des choses différentes dans leur box, notamment au niveau des vernis et au niveau des soins. Donc voilà, franchement, bah, encore ravi de cette Birchbox pour le mois de mars. Donc je vais vous laisser, je vais aller faire les courses puisque comme on est lundi et on était absent quelques jours puisqu'on a récupéré Enzo. Donc vous voyez, je parle. Le rouge à lèvres est toujours là. Il s'est matifié, vous voyez, donc en temps, je vais manger, etc. Vous l'aurez tout au long de la journée, donc vous verrez un petit peu la tenue de ces rouges à lèvres, les Roll Tiger. Donc franchement, je vous les conseille si vous faites attention à la compo des produits. Voilà, ça peut être une bonne alternative pour avoir des rouges à lèvres liquides mat. Donc je vais faire les courses et puis je vous retrouve tout à l'heure pour moi, mais de suite pour vous. Voilà, je suis de retour, il est midi et demi. J'ai été faire les petites courses pour la semaine chez Aldi et chez Intermarché. Donc je vous montre, j'en ai eu pour 30-40€ à peu près chez Aldi et j'en ai eu pour à peu près pareil chez Intermarché. Donc à peu près 80€. À savoir que bah, y a le repas du midi du soir pour le midi pour moi et repas du soir pour nous trois avec des petites choses en plus. Donc je vous montre ça de suite. Alors j'ai pris chez Intermarché des pommes, des tomates, c'est les Torino, c'est celles que je préfère, des bananes, un ananas, Numenco pour le chéri et mon fils, des wraps pour le midi ou pour le soir. Ces petites choses là que je voulais tester, c'est du tartinable chez Sojasun, ail et fines herbes. J'ai pris du bacon pour le petit déjeuner, des steaks hachés, ça c'est pour ce midi. Je vais me faire du poisson avec de la semoule et tomates. J'ai pris du sirop d'érable parce que j'en avais plus pour ce matin, j'ai fait des pancakes, j'avais plus de sirop d'érable. J'ai pris du lait d'amande, des petits burgers briochés, des poivrons. J'ai pris de la sauce tomate pour mettre dans les wraps, du paprika parce que j'en avais plus. Ça, c'est mon mari qui l'utilise, c'est du bain de bouche. Il aime bien, ça finit bien le nettoyage des dents. J'ai repris mon déodorant chouchou. À Intermarché, j'ai pris des petits muffins nature pour soit le midi ou soit le soir. J'ai repris ces deux petites choses-là pour faire une recette que j'ai vue sur la chaîne de Amandine Lescuyer French Fitness Lab. Donc un genre de wok. Donc j'ai pris ces deux-là, voir lequel que je mettrai, je ne sais pas.
du cheddar pour mettre dans les wraps, pour que je le râpe. Ça c'est pareil, c'est pour aller avec la recette. J'ai repris de la sauce salsa pour, bah, pareil, pour mettre dans les wraps. Ça c'est pour mon chéri au petit déjeuner, de la salade, de la feuille cuisson, des petits œufs bio. Voilà. Et j'ai repris de la crème soja cuisine parce que je ne peux plus manger du tout de crème fraîche, ça ne passe plus pour mes intestins. Donc bah, on essaye de trouver des choses qui passent. Et je voulais tester cette petite chose là pour mettre sur mes bowl cakes le matin. Alors oui, bowl cake, je parle de bowl cake par rapport à la chrononutrition, c'est pas du tout chrono, mais j'arrive pas à perdre de poids avec la chrono. Je trouve que je mange beaucoup trop et j'arrive pas à manger cette quantité de viande. Donc je vous expliquerai tout dans la vidéo chat make-up spécial chrono, un petit peu où j'en suis. Mais donc là du coup je refais à ma sauce, j'arrivais à perdre du poids en faisant à ma sauce. Donc voilà, c'est reparti, là j'ai repris tout le poids que j'avais perdu avec la chrono. Je vais voir quand même ma coach pour les peser et les mensurations. Mais je fais un peu à ma sauce, soit le midi chrono, soit le petit déjeuner. Enfin, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Je pense que je vais vous faire une vidéo... chat make-up où je vous explique un peu les bases de la chrono pour celles qui voudraient s'y lancer et voilà, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais également mon ressenti par rapport à ce que j'avais perdu 3,5 kg, j'ai tout repris. Donc et pourtant en ne faisant pas des excès, bon, on a été invité plusieurs fois, là on est parti en week-end, voilà, etc. Donc donc j'espère que voilà, je vais essayer de reprendre une alimentation comme j'en ai envie, comme je le sens. Et ça fonctionnait bien pendant un moment, donc je pense que je vais repartir sur ça. Donc je vais ranger tout ça, je vais me faire à manger et je vais regarder des petites séries parce que là pendant les 15 jours j'ai pas regardé du tout de série entre les travaux, etc. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Je vois que j'ai mon parasol qui est complètement éventré, l'emballage avec le vent, on a tellement de vent là depuis quelques jours, il faudra que j'aille aller rattacher ça. Donc je range tout ça et je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fait mon petit repas. Et puis pour la série que je vais regarder, je pense que je vais regarder celle que Gift, ma maman m'a mis, ma mère m'a mis cette série sur clé USB parce qu'elle l'avait. Donc voilà, je pense que je vais regarder ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis installée, donc comme je vous l'ai dit, je vais regarder la saison 2 de The Gift. Hein, c'est ma mère qui me l'a mis sur la clé USB, donc je ne sais pas trop où on peut la trouver. Donc pour le repas, j'ai deux tomates, j'ai de la semoule, 100 g de semoule, de la sauce soja cuisine et mon poisson pané et une pomme en dessert. Et bien sûr, mon demi-litre d'eau à chaque fois, je prendrai un petit thé par la suite. Donc à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est un peu plus de 15 h, j'ai un livreur DHL qui vient de passer. J'ai fait une commande sur le site de Prozis, c'est un site de compléments alimentaires, enfin de choses un petit peu pour voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Donc j'ai fait une commande essentiellement pour des produits à base de zéro, on va dire. Alors, une commande, j'espère qu'il y a tout. Alors, en sachant que je crois qu'il y avait il y a tout le temps des petites promos sur le site. Donc a priori, ça vient du Portugal. Je suis étonnée. Ça vient de Funchal. Ah oui, eh bien voilà, c'est la plateforme Portugal. Alors j'ai pris des petites choses. J'ai pris un ketchup, parce que le ketchup, il y a plein de sucre. Donc je voulais tester ce ketchup classique. Donc zéro fat. Alors voyons voir ce qui est écrit à l'arrière. Je pensais qu'il n'y avait pas de sucre dedans. Donc à tester, je vous dirai si c'est bon ou pas. J'ai encore mon lait d'amande là parce que je vais faire des petits cookies tout à l'heure. J'ai pris un c'est à l'ail 100% garlic. C'est pour mettre dans ma poêle pour éviter de mettre un petit peu. À chaque fois que je fais une cuisson pour éviter que ça colle. C'est de l'huile en spray. Donc celle-ci c'est à base d'ail, je crois. Oui, natural garlic. Donc sans gluten. À voir ce que ça donne. Je testerai ça, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai pris pour les soit les porridge le matin ou alors pour les bowl cakes. J'avais vu ça sur Instagram. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur et c'est oatmeal, c'est des flocons d'avoine avec une saveur à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est Nutchoc. Donc c'est une source naturelle de protéines, calories. Il y a 500 grammes à l'intérieur. Il n'y a pas de pesticides, pas d'aspartame, pas de conservateurs. Pas d'OGM et c'est fabriqué en
cultivé en Finlande. Donc à tester, ça je vous en reparlerai. On peut faire plein de choses, on peut faire des gâteaux, on peut faire plein de choses. Donc je vous en reparlerai, savoir si c'est bon dans un bol cake par exemple. Ensuite j'ai pris des... Alors ce matin je vous ai fait voir, enfin tout à l'heure je vous ai fait voir, j'avais pris du sirop d'érable et je voulais voir la différence avec celui-ci, voir ce que ça donne. Zéro maple, sirop d'érable. Donc comme ça je vais tester, voir s'il y a une grande différence en goût. Ceci c'est moins calorique. J'ai pris des bagels, voilà. Parce que j'arrive pas à en trouver, là je suis allée à l'Intermarché ce matin et il n'y en avait pas. Donc voilà. Et ils ont l'air pas mal du tout. Donc j'en ai pris deux pour tester. Je crois qu'ils ne sont pas au même. Multigraines, si c'est pareil, c'est les mêmes. Il y avait une petite promo sur ça. Et le dernier petite chose que j'ai pris un petit drop de vanille. Donc ce qui permet, c'est des arômes hein, pour mettre par exemple dans quand je fais des pancakes, quand je fais des crêpes, etc. Donc à tester tout ça. Donc voilà, je vais pouvoir tester toutes ces petites choses-là de chez Prozis. Et puis je vous dirai ce que ça donne. Donc ça tombe bien que ça soit arrivé aujourd'hui parce que c'était la journée des courses. Donc j'avais une réduction, voilà, avec un code réduction, c'était le code super. Je ne sais pas s'il fonctionne encore. Ça m'avait donné, je crois, 10 ou 30% de réduction sur certains articles. Donc voilà, je vais ranger tout ça. C'est livré, à savoir, par DHL. Je ne savais pas que ça allait être livré aujourd'hui. Heureusement que j'étais à la maison. C'est sans signature, donc j'imagine que ça, c'était peut-être dans la boîte aux lettres, peut-être, je ne sais pas. Petit point sur le rouge à lèvres, j'ai fait aucune retouche, j'ai mangé, j'ai bu un thé, j'ai bu à la bouteille d'eau, ça n'a pas, quasiment pas bougé. Là, je peux rester comme ça jusqu'à ce soir sans problème. Donc, je vais ranger tout ça. J'espère que la reprise des vlogs vous a plu, vous plaît. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée. À demain, ciao, ciao.